Monsieur Cagouille. Pour faire passer le message sur l'importance de réduire ces déchets non recyclables, il fallait des spécialistes. Et quel item les a trouvés? Je viens vous voir parce que... Je sais. Venez me voir parce que, comme tous les Charentais, vous souffrez d'un problème de surpoids de déchets, je veux dire. Ah bah oui, effectivement, je suis orthodéchettiste. C'est un master qui se fait en 3 ans après les études de médecine. Des tonnes de déchets alimentaires que vous auriez pu composter... Le duo de Groland, de Lepinfelder, a pris les choses en main, car les Charentais ont encore pas mal de kilos à perdre côté poubelle. Le premier épisode s'attaque aux déchets qui pourraient partir en compost. Il faut aussi essayer de réduire les emballages, essayer de réduire les publicités, essayer de réduire un peu tout pour arriver. Enfin, en tout cas, nous, c'est notre but. C'est d'arriver à faire en sorte que les Charentais aient 100 kilos de déchets en moins en un an. Voilà. Et ce qui est possible grâce aux petits trucs qu'on met en scène dans nos petits films. Je peux perdre jusqu'à 20 kilos. Ce premier sketch s'articule autour de deux personnages, une éminence grise et un débutant en matière de recyclage. Alors, moi, je joue un petit peu ce qu'on appelle le candide, donc celui qui pose les questions les plus simples. Et qui va permettre de, ben justement, de pouvoir articuler les réponses encore plus simples afin d'atteindre notre objectif, perdre 100 kilos de déchets en moins d'un an. Si la série ouvre avec le compostage des déchets biodégradables, c'est parce qu'il y en a beaucoup trop dans les sacs noirs et qu'à partir de 2024, la loi l'interdira. D'où l'idée d'une campagne sur le ton de la farce pour donner quelques clés aux consommateurs. On n'arrivera jamais au zéro déchet et on n'arrivera jamais à ce que 100% des habitants jouent le jeu pleinement. Donc du sac noir, on en aura toujours. Donc à nous d'emmener les outils pour réduire un maximum ce sac. Cette série est entièrement réalisée par une production charentaise avec le concours des agents Qualitom. Elle comptera au total 6 épisodes diffusés sur les réseaux sociaux. Et on a encore de nouvelles aventures. Pousser un caddie, ça va.